Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents ce midi pour dans ce qui me concerne le démarrage de ma 9e saison. Et je répète toujours que ce club, sans vous, on ne serait pas là. On s'attendait à avoir une saison un peu moyenne, avec une équipe en reconstruction. Et en fait, on a vu, je crois, une des plus belles saisons qui m'a le plus intéressé parce qu'on avait une vraie adversité, des belles équipes en face. Et on a su être conquérant grâce à un esprit d'équipe qui se ressentait vraiment sur le terrain. Tout d'abord, bravo à l'Estac pour cette remontée. Orange est content de retrouver l'Estac comme en Ligue 1 et par là même continuer ce relationnel que l'on a depuis plusieurs années, hein, même qu'on a continué en Ligue 2. On a beaucoup de plaisir à travailler avec le club. C'est vrai que c'est très important parce que les partenaires nous suivent, on a besoin d'eux pour faire vivre le club et je crois qu'ils ont aussi besoin de cette proximité aussi avec les joueurs, donc c'est bien, je crois que c'est un bon rendez-vous pour aborder la saison avec nos partenaires de manière assez proche et de pouvoir se connaître et de faire connaissance dans ces moments-là. On était partenaires jusqu'à présent et on a voulu développer et amplifier notre présence au sein du club. Donc oui, on est très content et très fiers d'être avec les Stacks cette année en Ligue 1. Il y a une implication globale puisqu'en fait il y a évidemment l'acte commercial pour avoir une vision d'entreprise par rapport à nos marques. Donc c'est vrai qu'en plus cette année, il y a une vision différente puisqu'on intègre la marque Jaguar pour Premium. Donc ça permettra en plus d'avoir une représentativité de marque avec Volvo et le groupe Jaguar Land Rover en Ligue 1. Et puis en termes d'image d'entreprise, en tant que dirigeant d'entreprise, ça nous permet aussi d'avoir une image de dynamique de chef d'entreprise qui s'implique sur le territoire. Donc je suis vraiment super content de faire partie de l'histoire. C'est super important déjà, je pense, pour le club et pour les partenaires de voir les joueurs et qu'on puisse échanger. Donc je pense que c'est très important. Et puis en plus, il y avait une petite rétrospective sur la montée. Donc ça fait toujours plaisir et voilà, on a passé un bon moment, donc c'est cool. On a eu de grandes discussions avec le président et le staff ici qui voulait vraiment redynamiser le stade, améliorer les équipements. Donc vraiment beaucoup beaucoup de projets et un très très gros investissement fait par le club de manière à pouvoir promouvoir encore mieux le club et son stade et à faire venir un maximum de spectateurs, on l'espère, pour accompagner l'équipe. On sait que ça va être difficile sportivement, mais on sera derrière quoi qu'il arrive et on a beaucoup d'espoir dans cette équipe et dans ce groupe. On est une équipe de Ligue 1, on n'est pas en Ligue 1, on est une équipe de Ligue 1. Donc, profitons-en et puis après on verra bien ce qui se passera.